les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur la chaîne Motographie, toujours en compagnie de Amaury, mon fidèle coéquipier. Salut. Chose promis, chose due, aujourd'hui on va vous présenter la 4L. Je vais laisser Amaury parler dans un premier temps. De quelle année ce petit bijou? Du coup, 4L Cléon, moteur Cléon de 82. Okay. On l'a trouvé sur le Bon Coin. Un ancien participant qui l'a vendée dans un état nickel. Elle a déjà fait deux 4L Trophy, donc celui de 2019 et celui de 2010, si je dis pas de bêtises. Et voilà, donc du coup, on peut voir déjà les premiers sponsors apposés qui étaient destinés à la participation 2021. Exactement. Alors, à propos des sponsors, on vous fera une vidéo quand on aura tous les stickers pour la présentation de chaque sponsor. Vous allez voir qu'il y a des petits avantages même pour vous, abonnés de la chaîne. Vous aurez des petites réductions en fonction de nos sponsors, donc ça va être plutôt cool. Ouais. Donc comme vous pouvez voir, jaune et noir, elle est magnifique. Un petit peu comme l'ancienne que j'avais, jaune et noir aussi, j'aime beaucoup cette couleur. Alors là, on a une galerie de toit, mais on va certainement l'enlever pour le 4L Trophy parce que c'est pas très conseillé. Non. On risque de perdre des choses, prise au vent, enfin tout ça quoi. Et puis voilà. À l'intérieur, du coup, on retrouve des sièges super confortables, un petit peu haut, on va pas se le cacher. On va pas se le cacher. Mais super confortable. Bon, elle est dans son jus évidemment. On a le manomètre température d'huile en bas, etc. Donc ça, c'est cool. À l'arrière, on a de quoi accueillir des personnes pour le moment, mais tout ça évidemment on va l'enlever, hein, ça va changer parce que vous vous doutez bien qu'on a pas mal de choses à mettre dans la voiture. Bon, le coffre, il y a quelque chose dedans, mais on va vous le montrer quand même. Et l'avantage, c'est que on a du coup des rangements en bois fait exprès. Exactement, en fait il y a l'ancien propriétaire avait fait un coffrage sur mesure et il me l'a donné avec la 4L. On a toutes les boîtes de rangement, etc. qui vont avec. Donc du coup, il n'y a plus qu'à virer la banquette, mettre ce coffrage, puis roule ma poule. Et voilà, c'est ça. Voilà, de l'arrière, la bête. Est-ce que tu nous la démarrerais pas pour montrer un peu le bruit du V12 atmosphérique? V12 Atmo. Et oui les amis, Amaury a démarré. Ce n'est pas une hybride, c'est pas une électrique. Elle est réglée comme une horloge. Vraiment, le ralenti fait aucun bruit. Elle marche du feu de Dieu. On aura juste à la fiabiliser peut-être un petit peu, voir s'il n'y a pas des petits trucs quand même, histoire d'être sûr de ne pas avoir de galère. Ouais, le but c'est d'arriver au bout quoi. D'arriver au bout sans trop de galère, donc ça c'est cool parce que j'en connais des équipages lors de l'édition 2020 qui ont passé des heures au pôle mécanique. S'ils regardent cette vidéo, ils se reconnaîtront et je peux vous assurer que c'est pas ce qu'il y a de mieux à faire. Donc voilà. Voilà le petit bolide, c'était une présentation rapide et puis on se retrouvera quand il y aura tous les stickers de sponsors. Hier avec Amaury, on a trouvé un sponsor qui prend cette place là, on en a un autre, on ne sait pas encore où on va le mettre, on est encore en recherche. Et puis une fois que la 4L sera complètement finie, et on vous présentera tout ça et puis on se rapproche du départ. Hein. Exactement, là, on bientôt. Est à moins de 100 jours. Moins de 100 jours, exactement. Restez connectés. D'ailleurs, je vous mets les réseaux juste ici. On a, du coup, vous pourrez suivre l'aventure évidemment sur les réseaux Motographie, mais aussi l'Instagram Les Alliés en Virée. C'est le nom de l'équipage qu'on a donné pour cette édition. D'ailleurs, on est l'équipage 1670. Exactement, tout à fait. Donc ça promet du monde, hein, parce que si on est 1670, ça veut dire que. Tu le doutes pour le nombre de personnes, voilà. Ouais, ça va faire pas mal de monde. Il y aura pas mal de monde. Donc voilà. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous dis à la prochaine sur la chaîne Motographie. Ciao.